Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée en partenariat avec le site PMU.fr. Alors ce mercredi 29 juin, direction l'hippodrome de Vichy, en réunion 1 avec les trotteurs. Ce sera la première course du programme, le prix du Bois du Bouc qui sera support de Quintée. Il vient pallier un petit peu le manque de partants dans le prix Pierre Coulon. C'était vraiment la belle course de la réunion avec des chevaux n'ayant pas gagné 400 000 euros. Il y a vraiment un lot de qualité. Du coup, on se rabat un petit peu sur cette course qui est quand même assez bien composée, hein, des chevaux d'âge, des 7 à 10 ans, n'ayant pas gagné 235 000 euros, avec un recul de 25 mètres à partir de 125 000 euros. 14 concurrents au départ, 2950 mètres à parcourir, avec donc un recul de 25 mètres à partir du numéro 9. Voilà un petit peu pour les données techniques. On va rentrer dans le vif du sujet. J'ai retenu en tête le numéro 7, Espoir du Dropt, qui reste sur une belle victoire, hein, du côté d'Agen. C'est un excellent droitier. Il vient de s'imposer vraiment dans un temps canon, hein, 1,2,6 sur 2575 mètres. C'est vraiment un excellent chrono. C'est un cheval qui est dur à l'effort, qui est capable de faire le boulot tout seul. Il est venu, hein, à Vichy il y a deux courses, deux, trois courses. Il était distancé. Maintenant, son entraîneur. Un peu plaidé mea culpa, hein. Il a dit qu'il n'avait pas forcément drivé au mieux de ses intérêts. Je pense qu'on ne les reprendra pas deux fois. C'est un cheval qui est pas souvent fautif, hein. Il a été disqualifié deux fois cette année, mais en général, c'est un cheval qui est quand même assez sûr. Comme je l'ai dit, c'est un bon droitier. Il est mis en mode course, hein. Non, il était déféré des postérieurs la dernière fois. Là, il le plaque des antérieurs en plus pour se donner beaucoup plus de marge. Donc, vraiment un concurrent qui a tous les atouts dans son jeu, d'autant qu'il est très très bien engagé, comme vous le voyez. Recul à combien? 125 000? Ouais, 125 000, il a 124 340 euros. Je peux comprendre que son entraîneur se soit laissé tenter par cet objectif. C'est en tout cas mon favori. En deuxième position, j'ai retenu le numéro 14, Fabulous Dream. C'est un peu le cheval dont tout le monde se méfie, hein, c'est Fabulous Dream. C'est un cheval de classe. La dernière fois à Enghien, c'était exceptionnel. La ligne droite, il trace, il regagne beaucoup de terrain. Vraiment, c'était impressionnant. Il mettait fin à une série de trois disqualifications. C'est vrai qu'il est pas mal fautif, hein, ces dernières semaines. Maintenant, Mathieu Abrivard nous l'a dit, il a quand même pas mal d'excuses à faire valoir à chaque fois. C'est pas un concurrent qui est forcément fautif au demeurant. Maintenant, cette année, il s'est quand même beaucoup montré, il a beaucoup été disqualifié. Mais bon, c'est un cheval de classe, hein. C'est vraiment au second échelon. Voilà, un 7 ans qui est le plus riche dans ce lot-là, c'est vraiment qu'il a de la qualité. Cédric Terry sera au sulky, il est déféré des 4 pieds. Il part avec la confiance de son entraîneur. Je pense qu'il sera meilleur en venant une seule fois. Donc voilà, au second échelon, il faudra que ça se passe bien au niveau du parcours. Mais s'il n'est pas très très loin dans le tournant final et à l'entrée de la ligne droite, il peut vraiment finir vite et lutter pour la victoire. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 5 Eden de la Moire. Vous le voyez lui aussi, c'est pas un concurrent fautif en général. Il s'est montré fautif l'avant-dernière fois alors qu'il faisait partie des chevaux en vue. Il a remis les pendules à l'heure, hein. Il vient de terminer deuxième sur ce même parcours. Voilà, un pensionnaire de René Corbin qui fait toutes ses courses. Il n'y a rien à lui reprocher en général. Je pense qu'il est à peu près dans sa catégorie, hein. Il y a peut-être un ou deux clients qui lui sont peut-être supérieurs, mais lui, il va faire sa course. Il est capable d'adopter toutes les tactiques. C'est vraiment un cheval maniable, donc beaucoup d'atouts dans son jeu. Je le retiens en troisième position. Ensuite, en quatrième position, Eddie Josselin. Lui aussi, pareil un petit peu. C'est un cheval qui est régulier. Il vient de terminer troisième sur ce parcours. Je crois que c'était troisième derrière justement, non, derrière Eddie, derrière Futur du Chêne. Donc c'était sur ce même parcours. Il courait bien, il avait fait un petit peu tout le boulot. Là, on le déferre une nouvelle fois des quatre pieds. Et puis regardez, son entraîneur fait appel à Jean-Michel Bazir. C'est vraiment un signe de confiance. Je pense qu'on essaie de mettre tous les atouts de son côté pour essayer de l'emporter. Je pense quand même qu'il y a mieux au départ, hein. Pour l'emporter, il faudra vraiment compter sur la maestria de Jean-Michel Bazir. Avant le coup, je pense qu'il y a quand même un ou deux concurrents qui lui sont supérieurs, mais il a le droit de finir troisième, quatrième. Ensuite, en cinquième position, le numéro 6, Philae de Soraya. Il faut pas la juger, hein, sur sa tentative autre montée. C'était assez décevant. Maintenant, auparavant, elle avait terminé quatrième d'un quintet. On l'a ici, c'était le 2 mai. Elle battait notamment Elixir du Rabutin, mais elle était surtout devancée par des chevaux comme Pharrell Seven. Elle courait avec également un cheval de Franck Leblanc, Flamme Vive, vraiment deux chevaux de qualité parisienne qui seraient dans cette course et qui seraient ultra favoris, donc un lot un peu plus relevé. Là, engagement favorable, déféré des quatre pieds, je pense qu'on peut retenir pour les belles places.
En sixième position, j'ai retenu le numéro 10, c'est Landompierre, c'est la bonne surprise. Alors, c'est pas le cheval de tout le monde, il est ferré, il doit rendre 25 mètres. Maintenant, c'est un concurrent. L'avant-dernière fois, il était cinquième à Bordeaux, face à des chevaux comme Gold River, Guérande, des cadets de qualité. C'est un bon droitier également. Bon, il faudra que ça se passe bien au 25 mètres, il n'a pas de marge. Maintenant, c'est un cheval, s'il a le bon parcours et qu'il peut venir finir sur les autres, il est vraiment capable d'arracher une 4-5e place. C'est l'outsider qui me plaît le plus dans cette course, donc voilà, retenu en 6e position. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le numéro 8, Donna Papa, vous le voyez, l'engagement idéal, c'est le plus riche au premier échelon. Il est en forme, il est régulier, il a été réclamé hein, il y a quelques semaines par son nouvel entourage et il donne satisfaction, comme vous le voyez. Rien à lui reprocher, toujours dans les 4-5 premiers, je pense qu'il n'a pas de marge. Hein. Il a couru dans des courses à condition des courses pour amateurs, pardon. Voilà, la dernière fois, c'était bien du côté de Châteaubriant, dans un lot un petit peu plus relevé. Déféré des quatre pieds, on fait appel à David Thomas. Voilà, je pense qu'on va essayer de lui donner un bon parcours caché. Et si ça se passe bien, il devrait répondre présent. Et pourquoi pas terminer quatrième ou cinquième, mais pas mieux avant le coup, je pense. Et enfin, en huitième position, je ne savais pas trop qui mettre. J'ai retenu là, c'est l'Elixir de Marzy qui a déçu hein, les deux dernières fois. Maintenant, son entraîneur tente le pari de le déférer des postérieurs et de le plaquer des antérieurs pour la première fois sur une piste en dur. Il va voir ce que ça donne. Le cheval est en forme a priori. C'est le moins riche, c'est le petit poussé. Maintenant, il n'a pas tant couru que ça et puis il a surtout été beaucoup disqualifié. Je pense que lui, s'il se montre sage, il est vraiment capable de créer une belle surprise. Voilà, ce sera la surprise, le petit outsider que je tente pour fin de combinaison. Et en cas de non partant, pour la cité, c'est Farandole di Palba. En théorie, elle est soit première, soit disqualifiée. Comme vous le voyez, elle a déjà gagné en région parisienne. Bon, son entraîneur est confiant. Il la trouve aussi bien que lors de sa victoire à Vincennes. Maintenant, moi, j'ai besoin d'être rassuré. Jean-Michel Bazire était au sulky la dernière fois. Il n'a pas réussi à la maintenir au trot. Donc voilà, c'est un regret. C'est pour dire, j'ai envie de la cité. Faut la mettre. Ceux qui font des champs réduits, mais elle est déconseillée au cardiaque. Et voilà, je pense que ça va être quand même compliqué avec 8 concurrents au premier échelon, même si son partenaire prend ses précautions. On va faire un petit récapitulatif de cette sélection avec le 7, le 14, le 5, le 4, le 6, le 10, le 8 et l'As. Voilà, dans cette compétition, vous savez, nous sommes en partenariat avec le site PMU.fr. Vous avez beaucoup de boutons et de liens sur notre site turf-fr.com pour accéder à notre partenaire, notamment si vous voulez ouvrir un premier compte. Vous avez jusqu'à 200 euros offerts avec votre premier dépôt qui est doublé, ou alors tout simplement accéder à votre compte client. Vous avez pas mal d'exclusivités. Moi, comme conseil de jeu, je vous conseille de faire un jeu combiné. Au niveau des bases, j'ai toujours peur un petit peu des courses au trot avec un cheval comme Fabulous Dream. Cédric Terry, qui ne le connaît pas forcément bien, s'il ne prend pas trop ses précautions au départ, qu'il se met au galop. Donc je pense qu'un combiné, c'est beaucoup plus rassurant. Du coup, 6 chevaux en i-quinté, je vous conseille. Donc le 7, le 14, le 5, le 4, le 6 et le 10. Mes 6 premiers chevaux, je pense vraiment que parmi ces 6, on a au moins les 4 premiers qui doivent être à l'arrivée au vu de leur performance. Voilà, si on a de la chance, ce sera le i-quinté. Maintenant, vous pouvez faire également un i-quarté, hein. Moi, je vous conseille un i-quinté en flexi 25 ou 50%, mais vous pouvez tout à fait faire la même chose en i-quarté avec mes 5-6 premiers chevaux. Chacun joue un petit peu comme il l'aime. C'est juste un petit conseil de jeu. Donc voilà pour ce quinté qui aura lieu sur l'hippodrome de Vichy. Un petit tour du côté de Lyon. Ce qui s'est passé ce lundi avec un quinté remporté par Salle du Roux, le 16, devant le 3 Thunder Speed. Le numéro 5, Electron Libre, qui refaisait parler de lui à ce niveau. Le 10, Cham Sabad, et le numéro 6, Morton, qui faisait partie des favoris. Du côté du bilan, Top Prono et Turf Sélection qui vous indiquait le tiercé dans le désordre, qui rapportait tout de même 147 euros, hein, un beau rapport du côté de nos deux rubriques. Donc voilà, pour vous abonner, c'est à partir de 1 euro par mois l'offre découverte si vous voulez tester nos pronostics. Merci d'avoir suivi cette minute quintée. N'hésitez pas à liker, à partager cette minute quintée si vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéo. Laissez également votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement à Prono VIP sur turf-fr.com. Moi, je vous retrouve pour la minute quintée de ce jeudi. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye!